www.casarima.fr. Sois béni en esprit. Oh, je veux t'adorer. Alléluia. Je viens t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer. Alléluia. Jésus. Alléluia. Mais sois l'adoration. T'adorons, Père. Toi qui sais comment Pierre, nous t'adorons. Alléluia. Père, nous t'adorons. Shalom, chers amis téléspectateurs. Bienvenue. Na espace Nabino pour la RDC, espace consacré à la pensée de Dieu pour le Congo, espace consacré à la mission prophétique Nzamba Pessina RDC Congo. Nous sommes très fiers et très honorés de voir le feedback, le retour de ces émissions. Nous sommes très honorés aussi de voir combien vous portez ces temps, cet espace aussi dans votre cœur. Aujourd'hui, j'ai la grâce, une fois de plus, il y a qu'au présenter Bino, un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui, chaque fois que son père est absent, c'est lui qui prend le bâton de pèlerin. C'est un homme de Dieu qui parle bien. Et il a aussi une pensée pour Dieu. C'est le prophète Jimmy Mbaya. Nzamba solone makambu ebele pona RDC. Nzamba solone tango mingi makambu ebele pour être Congo oyo et kendali boso. Ce que j'aime chez lui, c'est un nouveau regard du ministère prophétique. Ce que j'aime chez cet homme, c'est un prophétisme adapté pour ne pas dire contextualisé na ba réalité na biso ya mboka na biso. Alors je veux vraiment vous inviter à le suivre. Lui aussi a quelque chose à nous transmettre pour la RDC. Bandeko Congo ango ezaya nzambe Congo ango to linga yango ndenge ezali et nous osons espérer fermement et que dans les jours qui viennent, Dieu visitera ce pays, la RDC. Déjà, les signes sont palpables. Déjà, on sent déjà des bruits. Et nous sommes en train de regarder, d'apercevoir déjà les nuages. Il y a Mboula ou Esengeli Ekita na Congo. Le Congo ne sera pas comme ça à toujours. Les jours à venir pour ce pays sont meilleurs. Et Dieu est au contrôle. Nambo Kanabiso. Nakozwa tango mingi te, je m'en vais vous laisser le suivre et na rejoindre la dernière partie. Il y a intervention na ye pour ces questions de jeu et réponses, ce jeu des questions et réponses, voulais-je dire. Donc sans plus tarder, je voulais suivre le prophète Jimmy Mbaya, mais aussi nous profitons pour saluer son père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou, qui nous a donné un aussi beau don, un aussi grand don, non seulement pour la RDC, mais aussi pour l'Église Corps de Christ. J'ai cité le prophète Jimmy Mbaya. Suivez. Gloire au Seigneur. Merci à Global Shift qui me donne cette opportunité d'apporter un message prophétique par rapport à notre nation, mais surtout par rapport à l'émission d'aujourd'hui. J'aimerais me focaliser sur l'Église afin de révéler ce que Dieu attend de l'Église par rapport à ce temps, par rapport à notre pays, sa responsabilité et ce qu'elle incombe. Alors, je suis depuis quelques temps en train de consulter le Seigneur dans la prière pour savoir en tant que prophète qu'est-ce que le Seigneur pense de notre pays, pourquoi est-ce qu'il y a tant de choses négatives qui se passent dans notre pays, pourquoi est-ce qu'il y a tant de choses, les gens prient énormément, les gens vont dans les églises, mais pourquoi est-ce que les choses ne changent pas? Ainsi, le Seigneur a commencé à me parler d'une série de choses que l'on doit faire et qu'est-ce qui se passe, nous me révéla la cause. Et mon texte de ce matin ou de ce jour repose sur Deutéronome chapitre 28. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, du verset 1 au verset 15, le Seigneur est en train de dire que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera.
Et là, on parle de bénédictions qui se suivent, qui sont en fait conséquences à l'obéissance au commandement de Dieu. Mais ce n'est pas un seul commandement, c'est tout le commandement que le Seigneur a prescrit aux enfants d'Israël. Et ces bénédictions-là se résument en fait, ces détails du verset 1 au verset 15. Mais à partir du verset 15, le Seigneur commence en disant « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront. » Voyez-vous ? En Dieu, il n'y a pas que les bénédictions. Dans le Seigneur, en fait, Dieu est appelé aussi le Dieu qui règne sur toutes les nations. Le Seigneur, ici, c'est une loi qu'il a donnée en Israël, mais par ces lois qu'il a données en Israël, il a en fait révélé sa pensée par rapport à la gestion des nations. Comment est-ce que la nation doit-elle se comporter par rapport aux principes ou aux lois universelles que l'Éternel a prescrit pour toutes les nations ou encore pour l'être humain? Dieu, en tant que Père, en tant que Créateur, il a mis des lois, il a établi des principes sur lesquels chaque être humain devra observer, devra vivre avec. Si vous obéissez à ces lois, si vous obéissez à ce principe, alors les bénédictions ou encore les bénédictions positives, comme je peux le dire, pourront vous suivre. Mais si vous n'obéissez pas, alors il y a ce qu'on appelle la malédiction. Au fait, déjà si on doit définir c'est quoi la bénédiction n'est pas le fait d'avoir le matériel. La bénédiction n'est pas le fait d'avoir des millions ou des milliards en compte en banque. Mais la bénédiction, c'est un esprit que Dieu libère. C'est une grâce, une faveur surnaturelle que Dieu libère sur une nation, sur un individu, sur un groupe de personnes, afin de leur permettre d'avoir des résultats de manière surnaturelle. Et la malédiction, c'est au fait l'effet contraire. Un esprit qui est libéré pour causer la destruction dans tout ce que vous faites. Et quand vous lisez à partir du verset 15, jusque pratiquement au verset 60, au verset 68, imaginez-vous, pour la bénédiction, il n'y a que du verset 1 au verset 14. Mais du verset 15 au verset 68, le Seigneur n'a pas arrêté de citer de malédiction sur malédiction, de choses qui arriveraient si on n'obéissait pas à la loi de l'Éternel. En fait, qu'est-ce que le prophète Jimmy veut vous dire aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons et nous sommes en train de trahir le commandement que Dieu a prescrit sur les nations et pratiquement sur notre pays. Vous savez aussi bien que moi, mes prédécesseurs l'ont dit, le pays qu'on appelle Congo est un pays qui est hautement prophétique, qui a une destinée dangereuse. Autant Israël a travaillé pour préparer une plateforme au retour, à la venue du Messie, Dieu a envoyé des prophètes tels que Jean-Baptiste pour préparer le chemin, ainsi de suite. Autant dans le temps de la fin, puisqu'il ne s'agit plus d'Israël seulement comme nation, il s'agit maintenant de l'Église comme corps du Christ, qui est au fait la famille même de Dieu, parce qu'avec l'Église, le Seigneur n'est pas seulement notre Dieu, il est aussi notre Père. Dieu s'est choisi dans sa souveraineté d'utiliser aussi la RDC pour être le catalyseur de ce grand mouvement qui va précéder le retour du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, les mêmes principes maintenant qui régissaient Israël, ce sont les mêmes lois, ce sont les mêmes principes que le Seigneur voudrait que le Congo puisse appliquer. Mais le diable étant un homme qui est un esprit malin, qu'on l'appelle le malin, il est en train de faire en sorte que le Congolais se retrouve en train d'enfreindre la loi de l'Éternel, de briser les alliances du Seigneur, mais aussi d'aller plus loin, même jusqu'à enfreindre les lois les plus naturelles possibles. Et je me posais la question, Seigneur, mais quelles sont ces lois que tu as établies que le Congolais est en train d'enfreindre? Et il y en a beaucoup. J'aimerais aujourd'hui m'atteler sur une loi qui est beaucoup plus principale. Quand vous lisez maintenant à partir du chapitre 11 du livre de Deutéronome, parce que le livre de Deutéronome, c'est un livre où on rappelle la loi de l'Éternel. Ils ont traversé l'Égypte, ils sont allés dans le désert, ils ont fait 40 ans. Mais avant maintenant qu'une génération ancienne puisse passer, en fait, il y avait une génération qui était là, qui est passée. Il y avait la nouvelle génération qui était venue pour commencer de nouvelles choses. De la même manière que le Seigneur est en train de susciter une nouvelle génération qui va changer les choses dans ce pays. Bien aimé, une chose dont nous devons être tous certains, c'est que ce pays changera.
Une génération est en train de venir pour apporter un changement. Mes frères et sœurs, vous qui êtes là dans la diaspora et ainsi que partout dans la nation, vous êtes en train de me suivre. Je vous invite donc de lire, à lire le chapitre 11, du chapitre 11 jusqu'au pratiquement à la fin, et précisément et particulièrement maintenant au verset au chapitre 28 où le Seigneur commence à dire les conséquences de la désobéissance ou de l'obéissance à ses lois. À partir du chapitre 11 jusqu'au chapitre 27, le Seigneur est en train de donner maintenant quelles sont les lois que l'on doit observer. Mais parmi ces lois-là, il y a deux, pratiquement, ou une loi que j'aimerais m'appesantir, c'est la loi dont l'Éternel a parlé sur l'idolâtrie. Dieu a dit que vous n'allez pas adorer d'autres dieux, sinon que l'Éternel, qu'on ne trouve pas dans votre pays d'autres dieux, d'autres idoles qui s'élèvent contre l'Éternel. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a parlé. J'étais en vision et j'ai vu une image terrifiante qui s'élevait afin d'être adorée. Il y a plusieurs idoles dans notre pays. Le Congolais est devenu un peuple idolâtre. Et parmi les idoles qui commence maintenant à s'élever afin d'exciter la jalousie de l'Éternel, c'est l'idole qui est en fait que l'on célèbre par le sexe, par l'ambiance, par toutes ces dépravations sexuelles. Bien-aimés, nous sommes un peuple africain. Deuxièmement, nous sommes un peuple et nous sommes chrétiens et nous sommes un pays qui a une grande destinée prophétique. Et le diable est en train de pervertir notre pays par une dépravation comme vous n'avez aucune idée. J'étais en esprit le 14 février et le Seigneur m'a fait voir que les loges occultes sont en train, je n'aimerais pas peut-être citer le nom avec autant d'exactitude, mais néanmoins, il y a une loge principale qui est en train déjà de prendre d'assaut l'Afrique. Ils ont pris l'Afrique centrale, quelques pays comme le Gabon, la Côte d'Ivoire, vous voyez la Centrafrique, vous voyez même le Congo Brazza. Cette loge-là est en train de prendre vraiment de l'ampleur. Et Dieu m'a révélé qu'ils veulent maintenant s'établir afin de confirmer leur autorité dans l'Afrique centrale, mais en passant par les Congos. Voyez-vous, autant le Seigneur veut passer par les Congos pour réveiller, pour amener un grand réveil et préparer les retours de Christ, le diable aussi veut précéder en établissant une grande loge. Mais pour que cette loge-là s'établisse dans notre pays, ils doivent procéder par ce qu'on appelle la pollution de la ville, en accentuant au fait les pratiques sexuelles dans notre pays. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment pouvez-vous vous imaginer la prolifération de bars? Comment pouvez-vous imaginer la prolifération des boîtes de nuit, des bordels par-ci par-là, où la prostitution devient comme quelque chose de naturel dans notre pays? C'était pas quelque chose qui était dans notre pays autant célébré. Aujourd'hui, à Kinshasa, et j'ai essayé de voyager un peu partout dans la République démocratique du Congo, vous verrez que pratiquement dans toutes les avenues, il y a un maximum de bars où la musique, musique qu'on a même pas païenne, c'est une musique obscène qui est pratiquement jouée matin, midi, soir. Les jeunes enfants qui sont en train de grandir, ils ne sont qu'en contact avec cela. Et qu'est-ce qui se répand dans l'atmosphère? C'est que tout le monde est pollué et a envie d'aller faire des dépravations sexuelles. Bien aimé, cette forme d'idolâtrie là est en train de polluer notre nation, est en train de maudire notre sol, est en train de détruire l'atmosphère spirituelle de notre pays. Je viens ici pour réveiller l'Église. Je viens ici pour réveiller le Congolais, partout où nous nous retrouvons. Sachez que cette forme d'idolâtrie, cet adultère, cette impudicité, c'est une forme d'idolâtrie. Une forme d'idolâtrie, mais qui est en train de donner la force à des esprits mauvais pour permettre l'établissement des loges maçonniques dans notre pays. Écoutez-moi, le temps de s'élever est en train d'arriver pour que nous disions non à ces pratiques. Deuxième forme d'idolâtrie qu'il y a maintenant, c'est la montée de l'homosexualité. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, il n'y a pas un acte que Dieu a en horreur comme l'homosexualité. Mais deuxièmement, pourquoi est-ce que je parle de la sexualité comme étant une perversion? Parce que même le sexe, Dieu a établi cela pour un cadre donné qu'on appelle le mariage. Mais deuxièmement, même dans le mariage, il y a des normes pour faire cette pratique-là qui sont bibliques. Mais il y a une pratique, à part l'homosexualité, il y a ce qu'on appelle la sodomie. Ce sont des pratiques qui détruisent la nation, qui jettent la souillure, qui fait en sorte que l'Éternel ne regarde pas, n'ait pas un
regard favorable sur la nation, qui fait en sorte que l'Éternel se lève contre toute une nation. Écoutez-moi mes frères, lisez l'histoire dans Genèse. Dieu a consumé, a incendié tout, pratiquement deux pays, Sodome et Gomorre, parce que c'était des homosexuels, mais aussi des personnes qui pratiquent la sodomie. Du reste, le mot sodomie est venu de Sodome, parce que c'est de là que c'est venu ce genre de dépravation. Mais maintenant, aujourd'hui, par des films pornographiques, aujourd'hui, par plusieurs films, par des musiciens qui sont en train de chanter, aujourd'hui, cette pratique est en train d'être vénérée dans notre pays. L'homosexualité est vénérée dans notre pays. Aujourd'hui, la sodomie, vous voyez des parents, ils ne veulent plus passer par la voie normale. Ils veulent faire des relations contre nature. Bien aimé, nous sommes en train de souiller cette nation. Ce qui est drôle et ce qui est même lamentable, c'est que le diable a réussi à infiltrer même l'église, mes bien aimés. Vous pouvez vous rendre compte que même ces genres de pratiques sont en train d'entrer dans l'église. Je suis venu comme prophète de Dieu pour réveiller l'église. Il est temps que nous puissions ôter la souillure de notre pays. Il est possible de combattre cette abomination qui jette au fait l'opprobre sur notre pays. Lisez très bien Deutéronome 28 à partir du verset 15. Vous allez vous rendre compte que tout le fléau que le Seigneur a promis pour ceux qui n'obéiraient pas à ses commandements sont en train de se revoir, de se répercuter dans notre pays. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il y a de ces choses-là que l'on doit faire taire dans notre pays. Avoir le courage, le Nigeria. Le président de Nigeria a eu le courage de dire non à l'homosexualité. Le président de l'Ouganda a dit non à l'homosexualité. Au Djibouti, on a dit non à l'homosexualité. Au Sénégal, on a dit non. Et c'était même en présence d'Obama. Pour dire non, face à Obama, on a dit non à l'homosexualité. Je suis venu comme prophète de l'Éternel pour maudire tout acte d'homosexualité dans notre pays. Pour jeter l'opprobre dans notre pays. Afin qu'il y ait perpétuité de guerre. Afin qu'il y ait sécheresse. Afin qu'il y ait des problèmes partout et par là. Bien-aimés, si vous êtes avec moi, en tant qu'église, j'aimerais pour que nous puissions nous lever contre cette pratique dans notre pays. Que nous puissions nous lever pour prier afin de détruire ces principautés qui cherchent à jeter le problème dans notre pays en perpétuant l'homosexualité, mais aussi cette pratique sexuelle qu'on appelle la sodomie. Mes frères et sœurs, le sexe, c'est bon pour un cadre. Et aussi, il faut le faire selon le principe naturel. Et bien-aimés, si vous commencez à avoir cette envie-là, d'aller au-delà de ce qui est prescrit, de ce qui est naturel, sachez que vous êtes déjà dans l'idolâtrie, en train d'invoquer un esprit puissant qui va favoriser la montée de l'occultisme. Ce qui produit ces films-là, ce qui produit ces chansons-là, ils ne sont pas innocents, mes frères. Ils ne sont pas innocents. Vous allez penser, mais non, ce n'est qu'un film, ce n'est que la culture, c'est du divertissement. Mais non, dans le monde spirituel, il y a un agenda caché qui est là pour permettre à ce que la perversion entre, en fait, accumuler des forces, on appelle de l'énergie négative, afin de libérer un esprit puissant qui va faire en sorte que des loges occultes puissent avoir la possibilité et la facilité de mettre leurs temples, leurs hôtels ici et d'affaiblir l'église. Voyez comment est-ce qu'aujourd'hui les églises sont menacées. Pensez-vous que après avoir fermé les églises, on va fermer les bars? Non, mes frères, on veut affaiblir l'église. C'est pourquoi je viens parler à l'église aujourd'hui pour finir. Voyez-vous, on aura beaucoup de temps dans Global Shift pour parler en détail de certaines choses. Mais pour finir, j'aimerais lancer un appel à l'église. Église, réveillons-nous. Un appel à la prière pour dire, église, prions, car nous sommes réellement en danger. Notre pays est en danger. Nous sommes en train de prier, mais nous prions pour autre chose. Nous cherchons les bénédictions. Nous cherchons nos mariages. C'est ce qui nous concerne. Bien aimé, la Bible dit que priez pour la nation dans laquelle vous vous retrouvez, car votre bénédiction en dépend. Votre paix en dépend. Votre bonheur même en dépend. Bien aimé, église, lèvons-nous. Prions afin de détruire l'influence de cet esprit qui cherche à pervertir notre pays. Mais deuxièmement, c'est un appel à l'évangélisation. Bien aimé, mais il est temps d'aller vers ces prostituées, d'aller vers ces homosexuels, aller évangéliser comme il en a eu. Il est temps que les bars se ferment à nouveau. Il est temps que les boîtes de nuit se ferment à nouveau. Il est temps que Bon Marché devienne un centre de réveil et non pas un centre d'ambiance. Il est temps que Bandal soit changé. Et je crois Dieu,
ensemble avec toi, si nous nous réunissons en prière, quelque chose se passera. Ce pays sera purifié et Dieu regardera avec un œil favorable notre pays afin qu'un changement arrive. Que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Jimmy Mbaya. Je suis coordinateur de la mission apostolique et prophétique pour le Revêt. Je travaille sous l'autorité du prophète Joël Francis Tatou. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup et je sais que nous aurons encore beaucoup de choses à dire dans les jours qui arrivent. Après un message aussi profond, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il vous a donné comme fardeau. Nous avons des préoccupations. Tu as parlé de l'idolâtrie et tu as parlé des pratiques sexuelles contre nature et tu t'es appesanti sur l'homosexualité et la sodomie. Et prophète Jimmy, comment tu expliques que dans notre pays à nous, c'est presque un cadre chrétien qui a fait la promotion presque de l'homosexualité. Je ne te parlerai pas. Ici, on est clair et honnête. Ici, on a comme l'impression que ce sont les chrétiens qui sont au premier plan même de la vulgarisation de cette histoire à travers 2, 3, 4 troupes théâtrales. Parce que comme tu as dit, le cinéma, ce n'est pas du hasard. L'art aussi, que ce soit dramatique et autre, ce n'est pas du hasard. J'aimerais avoir ta réaction par rapport à ça. Merci, pasteur. L'Église ne s'est jamais levée pour connaître. Nous avons eu une actrice ici, plutôt un acteur. Voilà, même moi, je commence à l'appeler actrice, qui a fait une promotion de cette histoire d'homosexualité, de PD, de lesbiennes et autres. L'Église ne s'est jamais levée. Pasteur Blaise. J'aimerais dire une chose, une vérité quand même. Le groupe qui a travaillé pour pratiquement promouvoir, comme vous le dites, je ne pense pas forcément qu'ils ont été envoyés du diable, par le diable. Je reste confiant et convaincu que c'était un groupe chrétien. Mais comme en Israël, il y a ce qu'on appelle les ramassis. Les ramassis sont entrés, ils sont sortis de l'Égypte avec les enfants d'Israël. Mais ce sont eux qui ont incité les enfants d'Israël à se rebeller contre l'Éternel. Je crois très bien, j'ose croire, en tout cas c'est ce que moi je crois, qu'ils ont commencé avec Dieu, mais qu'il y a eu des infiltrations, qu'ils n'ont pas pu avoir le discernement et la facilité de déceler. Et ils ont cru peut-être que c'était normal, c'était juste des larmes. Pendant que les personnes qui étaient appelées à promouvoir cela, c'était au fait des personnes qui avaient un agenda caché. Donc nous n'avons pas été aussi vifs dès le départ pour nous lever contre cette pratique. Mais je crois que le mal était déjà profond, bien avant que cela. Aujourd'hui, quand on nous parle, tout le monde comprend. Quand 24 Chrono a préparé un message au monde entier, aujourd'hui il y a une série qui passe scandale. Sur scandale. Ça prépare le monde à une attitude adoptée dans le jour qui vient. Je pense que c'est là que je trouve que les chrétiens, on est un peu distraits. Voyez-vous que l'homosexualité n'a pas commencé au Congo. Ça n'a pas non plus commencé en Europe. L'homosexualité, c'est une pratique que le diable a mis sur pied depuis l'ère biblique d'ailleurs. Pour au fait inciter la colère de l'Éternel contre les êtres humains. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable sait que Dieu aime l'homme. Le diable sait que Dieu aime la terre qu'il a créée. Mais il sait aussi que Dieu, la Bible dit que les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir les péchés. Vous voyez? Ils sont trop purs. Il y a des choses que les yeux de l'Éternel ne peuvent voir sur une nation. Tellement qu'il a établi des principes qu'il ne peut pas lui-même enfreindre, qu'il ne peut pas violer. Et le diable sait que pour pousser Dieu à détruire soit la terre, à détruire une nation ou à détruire les hommes qu'il aime, il doit pousser ces hommes-là à faire des choses qui excitent la jalousie de l'Éternel. C'est comme ça qu'avec Sodome et Gomorre, vous voyez que le diable a incité les hommes à entrer dans un niveau de perfection tel que les hommes allaient avec les hommes et les femmes allaient avec les femmes jusqu'au point où les anges sont venus et ils ont dit « Donne-nous ces invités que tu as pour que nous puissions les connaître ». Vous vous imaginez, ça a commencé depuis. Et cet agenda a comme. C'est parti juste avec Babylone, avec la tour de Babel. La tour de Babel, c'est au-delà de ce que nous avons toujours su. Vous savez, quelquefois, Dieu nous fait grâce en tant que prophète de retourner certains. Pour vivre certains effets, certaines réalités, pour avoir une idée. La tour de Babel était une
insulte à l'Éternel parce que Nimrod avait fait construire une ville, mais il a voulu faire une tour en fait. La dimension minimale de la tour de Babel, c'est ce qu'on appelle les obélisques. Et les obélisques sont des dimensions réduites de la tour de Babel qui sont en forme de, excusez-moi, de pénis. Mais le pénis qui est tourné vers le ciel, en fait, pour insulter la personne qui a créé cet organe génital pour la reproduction. Dieu a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais pour se multiplier, il faut un mâle et une femelle. Mais il faut insulter cette ordonnance divine en poussant le mâle à aller vers le mâle. En fait, cela pousse l'homme à s'éteindre à l'extinction de la race humaine. Et cela n'a pas commencé. Et cela a été perpétué avec les histoires. Quand nous voyons de série comme scandale, la continuité, la suite de cet agenda qui a commencé, ça n'a pas commencé avec scandale. Il y a des séries comme Spartacus qui montrent en fait dans la culture romaine comment est-ce que la sodomie est aussi basée sur l'homosexualité, des hommes, des soldats qui se connaissaient entre eux. Ce sont des choses qui ont été, et quand on aura le temps de parler sur les différentes divinités qui ont marché depuis en fait Nimrod et sa femme Sémiramis, son fils, leur fils qu'il avait eu d'ailleurs, Sémiramis a eu un fils, non pas avec Nimrod, et ce fils là est devenu en fait le fils unique de la Vierge, Sémiramis. Et je vais vous montrer comment est-ce que la ligne est allée jusqu'à ce que nous ayons les religions, et ainsi de suite. Donc il y a en fait un agenda qui est aujourd'hui caché, qui a fait en sorte, qui a chassé Dieu de l'Europe. On a chassé Dieu en Europe. Vous savez que le réveil que nous avons aujourd'hui, c'est parti de l'Europe, mon papa Blaise. Parce que mon souci, c'est là que j'allais en venir. Beaucoup de gens disent que, écoutez, vous exagérez. Et en Europe, il y a aussi la sodomie, il y a aussi l'homosexualité. Et aux États-Unis, il y a aussi l'homosexualité. Il y a encore pire que l'homosexualité. Mais les choses marchent bien et tout est calme. Pourquoi seulement Dieu s'en prendrait à nous si nous faisons ces choses? Comment tu peux répondre aux gens qui voient Pasteur comme ça les choses? Blaise, laisse-moi te dire une chose. Vous voyez, quand vous mettez le ventilateur, vous le branchez dans une prise électrique. Vous allez vous rendre compte que si vous débranchez, cet appareil ne va pas s'arrêter directement. Continue de tourner. Ça continue de tourner, mais c'est pour un temps. L'Europe, Dieu s'était retiré de l'Europe depuis plusieurs temps. Mais ça semblait comme si ça allait. Mais vous êtes avec moi, vous êtes un homme qui s'informe beaucoup. Regardez dans quel pétrin se trouve l'Europe aujourd'hui. Cette crise n'est pas le fait du hasard. C'est la main de l'Éternel qui est en train de juger l'Europe à cause de sa rébellion contre l'Éternel, papa Blaise. C'est la main de l'Éternel qui s'est abaisantie sur eux, papa Blaise. C'est une énigme qu'ils ne savent pas expliquer. C'est un peu comme au jour de Daniel. C'est une écriture qui a été écrite sur le mur. Mais n'était qu'une parcelle. Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. L'Europe a été pesé, pasteur Blaise. Ils ont cru qu'ils avaient la hauteur de la science, de la connaissance. Ils étaient à l'abri de la crise. Mais qui est cet économiste? Quels sont ces savants qui seront en mesure de résoudre les dilemmes européens? Prenons les États-Unis par exemple. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que les États-Unis aujourd'hui, la Chine ne peut rien dire contre la Chine? Les États-Unis aujourd'hui, la Russie s'est élevée et en train de parler en face comme ça contre les États-Unis. Et ils ne savent rien faire parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont aussi entre le marteau et l'enclume parce que la main de l'Éternel est en train de s'apesantir. Autant Dieu a jugé l'Europe, en fait, qu'est-ce que le diable fait? J'aimerais révéler quelque chose. Quand il vient avec ses abominations auprès de vous, il vous propose les matériels. Il vous propose des développements, un développement apparent. Mais au fait, qu'est-ce qui se passe? Vous allez connaître ces choses, mais ce sera pour un temps. Et après, vous entrerez dans une crise. C'est ce qui se passe aussi. Vous allez voir, oh non, ben, si vous venez, on va vous donner de l'argent, vous allez vous développer. Mais pour quelle fin? Si vous n'aurez pas pitié de vous-même et pitié même de vos enfants, mais ce sont des pratiques qui chassent l'Éternel dans le pays. Merci, prophète Jimmy. Une dernière préoccupation. Si je reviens ici au Congo, tu as cité des points focaux. Tu as cité Bon Marché, tu as cité Bandalungwa, commune de la Gombe, par-ci, par-là. Et autres. Mais si je reviens sur Bandalungwa, qu'est-ce qui fait que dans le même endroit où nous avons... Parce que ce que les gens ne savent pas, selon les statistiques, la commune qui détient le plus grand nombre de homosexuels ici à Kinshasa, c'est la commune de Bandalungwa qui est au top
Ça, ce sont les statistiques vérifiables. Là, je parle en tant que journaliste. Alors, prophète Jimmy, qu'est-ce qui explique que nous avons un vent de réveil dans cette commune? Il y a les meilleures églises de Kinshasa qu'on retrouve aussi à Bandalungwa. Mais comment expliquer que là où il y a un vent aussi puissant de réveil, que ce phénomène se développe aussi d'une vitesse aussi vertigineuse? Pasteur Blaise, hein? Comment expliquer ce paradoxe? La première de choses, il faut définir c'est quoi un réveil. Est-ce le réveil, c'est le fait d'avoir une église avec plusieurs membres? Est-ce le réveil était-ce le fait de construire des églises en termes de bâtiments? Est-ce que c'est vraiment ça le réveil? Nous définissons le réveil, le fait qu'un peuple retourne vers le Seigneur. Nous définissons le réveil comme une transformation nationale. Ça veut dire quand l'Église commence à avoir l'influence jusqu'à transformer la nation par son impact et par son influence. C'est cela le réveil, Pasteur Blaise. Donc, c'est à ce titre qu'on a dit qu'il y avait réveil en Écosse. Parce que la parole de Dieu avait diminué le taux de criminalité, voilà. Le taux de vol, le taux même de ivrognes et autres. Si vous allez à signe d'un vrai réveil. Si vous allez en Colombie, en Colombie, Bogota, Colombie, il y a de cela 15 ans, 20 ans passés, le taux de criminalité, écoutez, c'était terrible. Ce sont des pays qui sont reconnus comme des pays de la drogue, de la prostitution. Mais je peux vous garantir, aller en Colombie aujourd'hui, il y a un réveil qui est en train de se passer. Et les statistiques disent que le taux de criminalité est en train de baisser. Le taux de la prostitution est en train de baisser. Le taux de la drogue est en train de baisser. Ce n'est pas encore disparu totalement, mais c'est à moins en train de baisser sensiblement. Quand est-ce qu'il y a eu un réveil dans notre pays? Dans les années 80. Dans les années 70, années 80, les bars ont fermé dans toute la ville ici. Les bars sont devenus les églises. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Même que certains chefs commençaient à jurer au nom de Dieu. Voyez-vous? Parce que là, on sentait l'influence de l'église dans la société, mais jusqu'à toucher même le sommet. Posons-nous la question, est-ce qu'à Bandal, il y a cette influence-là? Si le peuple ne revient pas vers le Seigneur, si la culture et la mentalité de Bandal n'est pas changée par l'Église, alors il n'y a pas encore réveil. Donc l'Église est démissionnaire. C'est pourquoi je fais un appel à l'Église de Kinshasa, du Congo, mais surtout au peuple de Bandalungwa, ainsi que par-ci ailleurs. Réveillons-nous, entendons la prière pour faire tomber les principautés, mais deuxièmement, évangélisons. Allons gagner les âmes. Allons vers ces hommes-là pour leur prêcher la parole afin qu'ils reviennent au Seigneur et le réveil viendra. Merci beaucoup, prophète Jimmy. Beaucoup de choses à Dieu nous donnera d'autres occasions. On aura d'autres occasions, certainement. Revenez quand vous avez le temps. Merci beaucoup, pasteur Blaise. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est là que nous mettons un point final à cette intervention du prophète Jimmy. Mais je pense qu'il est toujours important qu'il prononce une parole de bénédiction pour la RDC. C'est vraiment dans le cahier de charge de cette émission. Prophète Jimmy, voulez-vous bénir la RDC? Parce que nous croyons que la puissance de la prière peut arrêter. J'ai aimé la prière que tu as faite tout à l'heure là. Tu as maudit les vents de l'homosexualité. Ça m'a apaisé. Est-ce qu'on peut avoir une courte prière pour clore cet entretien? Une chose que j'aimerais rassurer les Congolais. Un homme a été destiné pour ce pays. Et il arrive très bientôt. Nous le verrons. Dieu est en train de mettre en marche certains points, est en train de rassembler plusieurs qui sont en train de me suivre. Vous avez déjà cette flamme-là de voir le Congo changer par la connaissance de la parole de Dieu, par la connaissance et par l'influence de l'Église. Vous êtes très nombreux. Des hommes viendront de partout, des Congolais qui reviendront pour rebâtir ce pays. Voilà pourquoi j'aimerais prier comme prophète de Dieu. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, la descente, la chute libre de ces vents d'homosexualité. Au nom de Jésus, je déclare que cette dépravation qui est en train de prendre la pleure de notre pays sera en train de baisser et de disparaître au nom de Jésus. Mais je déclare aussi comme prophète de Dieu, tout acteur, tout agent du diable, qui qu'il soit, que le diable utilise pour perpétrer ces choses, ou encore pour encourager ces choses dans notre pays, qu'il soit maudit où il est, et que ses œuvres sèchent, et que ses business sèchent, partout où il est, que Dieu le destitue aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare l'assainissement de notre terre, l'assainissement de notre atmosphère, au nom de Jésus-Christ, et que la paix du Seigneur puisse régner sur les Congos. Congo, tu es béni. Congo, tu as une destinée. Congo, tu vas influencer les nations. Congo, tu seras rebâti.
comment tu seras développé. Non pas par les aides extérieures, non pas par l'appui de la franc-maçonnerie, non pas par l'appui du Maïkari ou de la Rose-Croix. Comment tu seras rebâti, reconstruit, développé par l'influence de l'Église, des fils que Dieu te donnera, qui se lèveront partout, dans tous les secteurs de la société et qui rebâtiront ce pays. Tu es béni, tu as encore de l'espoir parce que tu vis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était là l'intervention du prophète Jimmy. Restez branchés sur ce programme. Je pense qu'un vent est déjà en train de souffler pour la RDC. Je pense que, prophète, ce que tu as dit arrive très bientôt. Tu es une bénédiction pour nous. Chers amis téléspectateurs, je vous l'avais prévenu dès le début de cette émission que cet homme avait un message pour la RDC. Cet homme était une bénédiction, pas seulement pour l'Église Corps de Christ, mais aussi pour l'Église universelle, dans, non seulement l'Église du Congo, mais pour l'Église Corps de Christ. C'est ce que je voulais dire. Prophète, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique et merci à tous les héros dans l'ombre qui produisent cette émission et dont nous taisons les noms, mais Dieu seul se souviendra d'eux. On se retrouve la fois prochaine. Bye bye. Nous sommes unis en esprit. Oh, je veux t'adorer. Alléluia. Je viens t'adorer, Jésus. Alléluia. Je veux t'adorer. Alléluia. Jésus. Alléluia. Mais sois l'adoration. T'adorons, Père. Tu sais comment nous t'adorons. Alléluia. Père, nous t'adorons. Pour voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.casarema.fr.